Tu t'en souviendras, Diane des Barèdes. Ça veut dire modéré et chantant. Modéré et chantant, répéta l'enfant. À mesure que l'escalier montait, des grues s'élevèrent dans le ciel, vers le sud de la ville, toutes en des mouvements identiques dont les temps divers s'entrecroisaient. Je ne veux plus qu'on te gronde, sans sage en heure. Je veux plus, moi aussi, modéré et chantant. Une pelle géante, baveuse de sable mouillé, passa devant la dernière fenêtre de l'étage, ses dents de bête affamée fermées sur sa proie. La musique, c'est nécessaire, et tu dois l'apprendre. Tu comprends ? Je comprends. L'appartement de Mademoiselle Giraud était suffisamment haut au cinquième étage de l'immeuble pour que le champ de ses fenêtres donnât de très loin sur la mer. À part le vol des mouettes, rien ne s'y profilait donc aux yeux des enfants. Alors, vous avez su ? Un crime passionnel ! Oui ! Asseyez-vous, Madame des Barèdes, je vous en prie. Qu'est-ce que c'était ? Demanda l'enfant. Vite, la sonatine ! Dit Mademoiselle Giraud. L'enfant se mit au piano. Mademoiselle Giraud s'installa auprès de lui, le crayon à la main. Anne des Barèdes s'assit à l'écart, près de la fenêtre. La sonatine ! Cette jolie petite sonatine de Diabelli ! Vas-y ! Quelle mesure, cette jolie petite sonatine ! Dis-le ! Au son de cette voix, aussitôt, l'enfant se rétracta. Il eut l'air de réfléchir, prit son temps, et peut-être mentit-il. Modéré et chantant. Mademoiselle Giraud croisa les bras, le regardant en soupirant. Il le fait exprès, il n'y a pas d'autre explication. L'enfant ne broncha pas, ses deux petites mains fermées posées sur ses genoux. Il attendait la consommation de son supplice, seulement satisfait de l'inéluctabilité de son fait à lui, de sa répétition.
les journées allongent, dit doucement Anne des Barèdes. À vue d'œil. Effectivement, dit Mademoiselle Giraud. Le soleil, plus haut que la dernière fois, à cette même heure, en témoignait. De plus, la journée avait été assez belle pour qu'une brume recouvrit le ciel, légère, certes, mais précoce, cependant. J'attends que tu le dises. Il n'a peut-être pas entendu. Il a parfaitement entendu. Vous ne comprendrez jamais une chose. C'est qu'il le fait exprès, Madame des Barèdes. L'enfant tourna un peu la tête vers la fenêtre. Il resta ainsi de biais, à regarder la moire sur le mur, du soleil reflété par la mer. Seule, sa mère pouvait voir ses yeux. Ma petite honte, mon trésor, dit-elle tout bas. Quatre temps, dit l'enfant, sans effort, sans bouger. Ses yeux étaient à peu près de la couleur du ciel, ce soir-là, à cette chose près qu'il y dansait l'or de ses cheveux. Un jour, dit la mère, un jour, il le saura, il le dira sans hésiter, c'est inévitable. Même s'il ne le veut pas, il le saura. Elle rit gaiement, silencieusement. Vous devriez avoir honte, Madame des Barèdes, dit Mademoiselle Giraud. On le dit. Mademoiselle Giraud déplia ses bras, frappa le clavier de son crayon, comme elle faisait d'habitude depuis 30 ans d'enseignement, et elle cria « tes gammes pendant 10 minutes pour t'apprendre, dommageur pour commencer !» L'enfant se remit face au piano. Ses mains se levèrent ensemble, se posèrent ensemble avec une docilité triomphante. Une gamme en do majeur couvrit la rumeur de la mer. Encore, encore, c'est la seule façon. L'enfant recommença encore, d'où il était parti la première fois, à la hauteur exacte et mystérieuse du clavier, d'où il fallait qu'il le fît. Une deuxième, une troisième gamme en do majeur s'éleva dans la colère de cette dame. J'ai dit 10 minutes, encore. L'enfant se retourna vers Mademoiselle Giraud, la regarda, tandis que ses mains restaient abandonnées sur le clavier, mollement. Pourquoi ? Demanda-t-il. Le visage de Mademoiselle Giraud, de colère, s'en laidit tant que l'enfant se retourna face au piano. Thank you.
ça alors, c'est trop fort. Ils n'ont pas demandé à vivre, dit la mère. Elle rit encore. Et voilà qu'on leur apprend le piano en plus, que voulez-vous ? Mademoiselle Giraud haussa les épaules, ne répondit pas directement à cette femme, ne répondit à personne en particulier, reprit son calme et dit pour elle seule « C'est curieux, les enfants finiraient par vous faire devenir méchants. Mais un jour il saura ses gammes aussi. » Anne des Barèdes se fit réconfortante. Il les saura aussi parfaitement que sa mesure. C'est inévitable. Il en sera même fatigué à force de les savoir. L'éducation que vous lui donnez, madame, est une chose affreuse, cria mademoiselle Giraud. D'une main, elle prit la tête de l'enfant, lui tourna, lui mania la tête, le força à la voir. L'enfant baissa les yeux. « Parce que je l'ai décidé, et un seul en par-dessus le marché, seul majeur, trois fois s'il te plaît, et avant, deux majeurs, encore une fois. » L'enfant recommença une gamme en do majeur. Il la joua à peine plus négligemment que les fois précédentes. Puis, de nouveau, il attendit. Sol majeur, j'ai dit. Maintenant, sol majeur. Les mains se retirèrent du clavier. La tête se baissa résolument. Les petits pieds, ballants, encore bien loin des pédales, se frottèrent l'un contre l'autre dans la colère. Tu n'as peut-être pas entendu ? Tu as entendu, dit la mère. J'en suis sûre. L'enfant, à la tendresse de cette voix-là, ne résistait pas encore. Sans répondre, il souleva une fois de plus ses mains, les posa sur le clavier, à l'endroit précis où il fallait qu'il le fît. Une, puis deux gammes en sol majeur s'élevèrent dans l'amour de la mère. Du côté de l'arsenal, la sirène annonça la fin du travail. La lumière baissa un peu. Les gammes furent si parfaites que la dame en convient. Puis, en plus du caractère, ça lui fait les doigts, dit-elle. Il est vrai, dit tristement la mère. Mais avant la troisième gamme en sol majeur, l'enfant s'arrêta une nouvelle fois. J'ai dit trois fois ! Trois ! L'enfant, cette fois, retira ses mains du clavier, les posa sur ses genoux et dit « Non ». Le soleil commença à s'incliner de telle façon que la mer, d'un seul coup, obliquement s'illumina. Un grand calme s'empara de mademoiselle Giraud. « Je ne peux rien vous dire d'autre que ceci. « Je vous plains. » L'enfant, subrepticement, glissa un regard vers cette femme, tant à plaindre et qui riait. Puis il resta fixé à son poste, le dos nécessairement tourné à la mer. L'heure fléchit vers le soir. La brise qui se levait traversa la chambre, contradictoire, fit frémir l'herbe des cheveux de cet enfant obstiné. Les petits pieds sous le piano se mirent à danser, à petits coups, en silence. « Qu'est-ce que ça peut faire, une fois de plus ?»« Une seule gamme, dit la mère en riant, une seule fois de plus. » L'enfant se retourna vers elle seule. J'aime pas les gammes. Thank you.
Mademoiselle Giraud les regarda tous les deux, alternativement, sourde à leurs propos, découragée de l'indignation même. « J'attends, moi !» L'enfant se remit face au piano, mais de pied, le plus loin qu'il pouvait se le permettre de cette dame. « Mon amour, » dit sa mère, « une fois encore, les cils bâtir sous l'appellation. Cependant, il hésita encore. Plus les gammes, alors. Justement, les gammes, tu vois. Il hésita, puis, alors, qu'elles en désespéraient tout à fait, il s'y décida. Il joua. Mais l'isolement désespéré de Mademoiselle Giraud resta un instant égal à lui-même. Voyez-vous, Madame Desmarèdes, je ne sais pas si je pourrais continuer à m'en occuper. La gamme en sol majeur fut de nouveau exacte, peut-être plus rapide cette fois que la fois précédente, mais d'un rien. « C'est une question de mauvaise volonté, dit la mère, j'en conviens. » La gamme se termina. L'enfant, dans le désintérêt parfait du moment qui passait, se releva légèrement de son tabouret et tenta l'impossible d'apercevoir ce qui se passait en bas sur le quai. « Je lui expliquerai qu'il le faut, dit la mère. » Faussement repentante. Mademoiselle Giraud se fit déclamatoire et attristée. Vous n'avez rien à lui expliquer. Il n'a pas à choisir de faire ou non du piano, Madame Desmarèdes. C'est ce qu'on appelle l'éducation. Elle frappa sur le piano. L'enfant abandonna sa tentative. « Ta sonatine, » dit-elle, « ta sonatine maintenant !» Elle était lassée. « 4 temps !» L'enfant la joua comme les gammes. Il la savait bien. Et malgré sa mauvaise volonté, de la musique fut là, indéniablement. « Que voulez-vous ? » continua Mademoiselle Giraud, par-dessus la sonatine. « Il y a des enfants avec lesquels il faut être très, très sévère. Sans ça, on n'en sort pas. »« J'essaierai, » dit Anne Desmarèdes. Elle écoutait la sonatine. Elle venait du tréfonds des âges, portée par son enfant à elle. Elle manquait souvent à l'entendre. Aurait-elle pu croire s'en évanouir. Ce qu'il y a, voyez-vous, c'est qu'il se croit permis de ne pas aimer faire du piano. Mais je sais bien que ce que je vous dis ou rien, c'est la même chose, Madame Desmarèdes. J'essaierai. La sonatine résonna encore, portée comme une plume par ce barbare, qu'il le voulût ou non, et elle s'abattit de nouveau sur sa mère, la condamna de nouveau à la damnation de son amour. Les portes de l'enfer se refermèrent. Thank you.
Recommence. Et bien en mesure, cette fois plus lentement. Le jeu se ralentit et se ponctua. L'enfant se laissa prendre à son miel. De la musique sortit, coula de ses doigts, sans qu'il parût le vouloir en décider, et sournoisement, elle s'étala dans le monde, une fois de plus, submergea le cœur d'inconnu, l'exténua. Sur le quai, en bas, on l'entendit. « Il y a un mois qu'il est dessus, » dit la patronne. « Mais c'est joli. » Un premier groupe d'hommes arrivait vers le café. « Oui, il y a bien un mois, » reprit la patronne. « Je le sais par cœur. » Chauvin, au bout du comptoir, était encore le seul client. Il regarda l'heure, s'étira d'aise et fredonna la sonatine dans le même temps que l'enfant la jouait. La patronne le dévisagea bien tout en sortant ses verres de dessous le comptoir. « Vous êtes jeune, » dit-elle. Elle calcula le temps qui lui restait avant que le premier groupe de clients atteigne le café. Elle le prévient vite, mais avec bonté. « Quelquefois, voyez-vous, quand il fait beau, il me semble bien qu'elle fait le tour de l'autre côté, par le deuxième bassin, qu'elle ne passe pas par ici chaque fois. »« Non, » dit l'homme en riant. Le groupe d'hommes passa la porte. « 1, 2, 3, 4. Comptez, mademoiselle Giraud. C'est bien. » La sonatine se faisait sous les mains de l'enfant. Celui-ci absent, mais elle se faisait et se refaisait, portée par son indifférente maladresse, jusqu'aux confins de sa puissance. À mesure qu'elle s'échafaudait, sensiblement la lumière du jour diminua. Une monumentale presqu'île de nuages, incendiée, surgit à l'horizon, dont la splendeur fragile et fugace forçait la pensée vers d'autres voies. Dans 10 minutes, en effet, s'évanouirait tout à fait de l'instant toute couleur du jour. L'enfant termina sa tâche pour la 3e fois. Le bruit de la mer mêlé aux voix des hommes qui arrivaient sur le quai monta jusqu'à la chambre. « Parker, » dit mademoiselle Giraud, « la prochaine fois, c'est Parker qu'il faudra que tu la saches. Tu entends ?»« Parker, bon. »« Je vous le promets, » dit la mère. « Il faut que ça change. Il se moque de moi. C'est criant. »« Je vous le promets. » Mademoiselle Giraud réfléchit. N'écoutez pas. On pourrait essayer, dit-elle, qu'une autre que vous l'accompagne à ses leçons de piano, Madame Desbarèdes. On verrait bien ce que ça donnerait. Non, cria l'enfant. Je crois que je le supporterai très mal, dit Anne Desbarèdes. Je crains fort qu'on soit quand même obligé d'y arriver, dit Mademoiselle Giraud. Dans l'escalier, une fois la porte refermée, l'enfant s'arrêta. Tu as vu, elle est méchante. Tu le fais exprès. L'enfant contempla tout le peuple de grues, maintenant immobilisé en plein ciel. Au loin, les faubourgs de la ville s'illuminèrent. Je sais pas, dit l'enfant. « Mais que je t'aime !» L'enfant descendit lentement tout à coup. « Je voudrais plus apprendre le piano. »« Les gammes, » dit Anne Desbarèdes. Je ne les ai jamais su. Comment faire autrement ?»
Thank you.